mkonzi kinchasa pona botali penza lolenge kani lipasoli ya bana bana za kosema maso mana pona tina ya kuluka kopesa bango esengo na bomo itango bakasari kokabola ya bango onzela ya lipasope mama ya mbo ya bane kolo kongo demokratia tashakete yemei akamati makamo maso omaboko na tina ya lubiko pe lipasoli ya bana bana tokundula lubino ete lolenge esalamaka pe bato baike babenga kango bokangemi bobota mi ya lolenge lona ezalo kola bilakeli mabe kasiza bilakeli mabete yango ezali bongo likambo likomi babotami lolenge lona pe minganga ba bazana boyebi bwakasi bazali pe na makoki mabokaboli bango nzela lipaso pe moto moto zwa bomo iboye talaka maso maema salema kikuna na clinique universitaire ya Mamukozi Kinshasa mami mambweni okay sika okomine ansele mingi penza au village Kimpoko wapepai mokambi ya fondation Kindi mwana mboka Gisangani ya kendeki kokabwa limpati na bana bitike be bazwami oba orphelina ilikaki olenge kani tolanda otamaka botamaka deja na molakisi naye ndimi soto bengaka reprogrammation tozozo ngisa mutu na kati na bomoto na ye ya kala bozali awa boye toyaki mpe kopasse temps epi kotalisa bano bazali ndele ya lobi bolakisi na bango ya solo azali nani tozobanda na bango mikie par rapport ya kopesa bena baprogramme ya solo na mitu na bango po lobi baprogramme wana eke kopesa siko badone oyo kokozalaka meme confortable mpo na société parce que awa na kati ya bana ozomona toza na bato ya bwanya bato bakosala defi na bamalade badokter bazali ebele ozomona bango awa motu ya motu eza sans limite lelo soki otali mibu na yo oza nango mokobetelanga lisolo ntango ozalaki na 5 ans soki oza na mayele asakomi mikolo on sous-entend ke asi ateyamaki azwamaki mayele siko na moma oyo akomi soit asaleli mayele wana te akomi na badefo moko boye ya reproduction ya mayele alebnesko biso tokoki koya kobanda kobakisa kosunga ye ainsi de suite yango moni na principe na soso lobaka so oyebi kobatela zéro te tokabela yo un te donc fo oyeba dabord kobatela zéro tobanda dabord na zéro epuis na zéro sikoni tokomotala formation ya moto azokena kochange tokabeli ye un Mokambi misala au maison civile ya tata mokundu ekolo docteur Bruno Miteu ye na lolenge ya ye ya mbokutama ya etuka ya lumami ya territoire ya nganda jikan ye azalaki bongo tope baninga baye baye batangaka na ye elongo kuna oete le collège Saint Georges ya nganda jikan oye binga misika ete lokolai basanganaki olingomba anacom bango bayambaki moninga wa bango na lolenge ya bango ya boyebi ya mbopenze basambelaki misana botondi kolonzambe kuna o eklezi ya Notre-Dame ya Fatima kopesa matondi na nzambe lolenge atomboli baninga babango bakisa pe Dieudonné Kalouba Dibwe wazali bongo mokambi ya yambo ya cour de cassation sima botondi mkolo nzambe bakendeki kosukisa mingi penza milulu na bosepeli kokabwa limpati kuna na Beatrice Hotel kuna basepeli mingi penza na botondi mkolo nzambe lolenge aponi bongo baninga babango babale atomboli bango na bibonga ndenge na ndenge ya mokambi bongo misala au République démocratique ya Congo. Toleke sika o etuka ya otuwele puna wibis na minute gouverneur ya etuka Iwana Christophe Baseya Nenanga ye a kuma kibongo kuna o etuka ya ye mingi penza o ingumba isiro utalobi oleki simabosali mobembo mamosala awa o ingumba mokondi Kinshasa o ya kambi makina limpinga ya ba depute provincio ba kambi bambula matari ya etuka ya ye ba kisampe ba toba misolo ba ba kosala kamisala mia mimbongo boko mibwaye sangisa ki ba pandisango po ya boye bisina bango ntina ya mobembo mwaye awa ingumba mokondi Kinshasa za yaki po ya boye anuli mingi penza umbela ya mokambi ekolo Felix Antoine Tshisekedi di Chulombo na masolo maye asangisa ki ba mboka ndo kando masoma bango na mokambi ekolo atalisa ki olenge kani etuka ya ye ezali bongo kotambola pe mokambi ekolo alakiete ya kosala maso pe botomboli etuka ya ye mpe alakiete ya solo gouverneur ayebisa ki tomikro miko ya bakotia gudolon na balabala ezwami kuna oyengumba iziro po mayi matali bongo mokitani ya ye kondo lolakisanga aoteki kowa mikro mileki ayebisi ete bana banso ya otuele balobi ete bakosala maso na elongo na libota ya mowei po ete baeleko matanga mayema kosalema to mpe nzoto ya mowei ekokundama bako ndaye penza na limemi ya mingi zambi lola kisanga azali pe moko ya ba gouverneur ya bango oyo asalaki mosala na lolenge ekoki kuna oyetuka ya otuele
Mokambi ya lingomba tope communauté presbytérienne ya ingomba mokondi Kinshasa ye ya kambaki bongo milulu mais abosuki simate ya babite lobi ya likolompe ko bandisa matea ya biko lobi ya likolompe ya bandimi tope ba pasteur ba ibakosa kamusala mwansambe izomaki o commune ya limba ilikaki olingekani tolanda Kinshasa tozali na esengo monene lelo mpona milulu ya ko silisa année académique 2019-2020 Awa na Institut supérieur de théologie Gouf. Oyezali moko na mwenene oyezali kona kisabana na biso. Lenge ya kokoma ba pasteur, mpe kokoma ba sorcier na mokali misala ya nzambe kongo nzambe. Bango nde mkutu ba kozala bakambi ya ba paroisse na biso. Mpe bakambi ya communauté tozali na ebiki ete misala oyo ba Enseignant Bassali, je suis là, 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 parce que l'institution a mis sur le diplôme, il y a traduit la théologie, et il y a une mention, il y a distinction. Alors, il y a un peu de temps, l'institution, mais aussi le corps professoral pour la tente sous Pinza Malam. Tous les cocanes qui sont mobiles, tous les cofondes, la paix licence, on a baou, basse basse la théologie, basse à graduer, basse à vendre, basse à la possibilité au Canada, université, la basse supérieure, mon soutien, pour la mission locale. Ce qui n'y a pas une mission, tu connais la banque, tu repères sa banque de formation et single. Leki sika osangwe lingomba ya politiki ili ya hii de pesi. Sengili boi bete lubi oleki etuluku ya bana bansu yungu wa mkondi Kinshasa. Bazwama ki o fwa internasyonel yungu wa mkondi Kinshasa. Tope fikine na boyano linambela ya honorable Peter Kazadi Kankonde. Oya zali bongo mwana ya politiki ya Nkondo Etienne Tshisekedi. Ya sangisa ki bana ba yungu wa mkondi Kinshasa. Po ebo talisi na bango bosola. Oye etinda ki na mkambi ekolo Felix Antoine Tshisekedi Chulombo. Abo mabongo likwela ya lingomba ya FCC MPKH. Yambo penza. Bozangi bosolo mpe motema mabe ya lingomba lina ministre mokonzi aboya kabongo kotia nzongoloko na mokanda mobe komoyi bapona kibongo komanda ya garde républicaine eleka kibongo mposo yibale pe disusu kosanga kotosa miango miike mimizali mpo ya bulamu bwa population ya République démocratique ya Congo mpo ya Peter Kazadi a tel sec été mansomana sengela ki se kosali malolenge po pa pate po se velete population ya ngoma mkundi Kinshasa ba se pour la polonité ya République démocratique ya Congo mobimba sangwe nde sokisi maso tonenge ki po ebina po kwalo matondo mingi na bino banso bonda ki biso botika malamu e bonga na Rigobert ki si di po pe sangwe olokota ya ki Congo Suka kotana mwini kusala kokila melunga inakele ntango betikela ndabantsangu na ndinga kikongo mbote batata mbote bamama bapange luzolo meme baka ntango ya kulanda bantsangu na beto ya seleka kesekele na ntima na kuyamba beto na ba inzo na beno na kusabisa beno tivo na kabenda bika na pale du peuple na kilumbu ya bubu tala mutindo na lutwa dusu ya Alexis Tambwe Mwamba ti bilo ya baina kena kusala bisalo bilumbu ya ina assemblée nationale na bantu mwankangu ti ba senatele vondaka mfunu ya nene kibeni na kuvukana na masolo samu na kuyamba mfumu ya isi samu andi tuba ba mambo mingi na ina metala luzingu ya Kongo ti luzingu ya bakongole na kutala mutindu mbalamosi mambo nyoso salamaka andi kotaka na kiese na kembo nyoso ba yambaka Felix Antoine Tshisekedi Chilombo na diskuru nandi andi tubilaka ba mambo mingi penza na kati ya masolo andi tulaka andi tubaka inki mutindu kuilama samu na kutunga maziami ya mbote samu na mbuta Patrice Emery Lumumba ina kele ina vondaka Utaluyalu na kati ya insi na beto ya Republique Démocratique ya Congo kubanda vana na ntwala kibeni beto baka dipanda na Congo Démocratique na mvula meluta kimbevo ya coronavirus mepesa mpasi mingi Felix Antoine Tshisekedi Chilombo mekusa zapisa ti na kati ya luyalu babaka kabalu balukani ya mutindu na mutindu mpe kutala inki mutindu luyalu na beto lenda pesa mbongo mpepesa kambongo sambo na kumanisa yau kongolezi inga na mutindu mosi ya mbote andimetonda mingi ba FARDC na kingolo na bau ya kutatimisa be
Mobeto zinga na kati ya Ngemba na Bandilu ya Republic Democratique ya Congo. Sambu na mutindu mambo salamaka kalasi ya Ofele mutindu betkebokila gratuite mevutula bana mingi na kati ya kalasi tibaina vandaka kulonguka ve kufuta balungisi tibaina nyoso ya impa banuvel unité Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo metubila yao na kati ya Malongi Nandi to na kati ya Ndinga Nandi andi metubila mambo ya Mazampe Mwinda. Mazampe Mwinda kele na kumonisa mpasi fioti ba Kongole sambu na yandi andime baka lukanu inki mutindu kupesa nzila na luyalo insi na beto kuyidika mambo nyoso salama na mutindu mosi ya mbote na nzunga na beto jardin scolaire kukuna ba inti tavonda mfunu sambu na kupesa mupepe ya kitoko na ba Kongole mpe na suka andimetuba tiba nguiseni tiba insi ya banzenza kekwenda mbote sambu Kongo zinga na mutindu mosi ya kufana beto vana na kivuvuti beto takwenda na Ntwala Kibeni. Na manima ya Ndinga Nandi, bambuta luyalu vandaka na kati ya masolo, bantuma mkangu ya nkaka tubaka ba mambu mingi mpese pelaka na baluza isu, mpe na bamanaka, mfumu ya isi mebaka, Betolanda. Chef de l'État, nina tememo na amesala ya kena article 77 ya Constitution, kiese meku wa kuyametu la population na centre ya baaktivite nyoso. Ekutu la population na centre ya baaktivite nyoso, yana tubaka, yana kuenda, na si le Ghana dit que tu vas le peuple d'abord. Donc souci à monu, to souci à bête surtout monu étant élu réalisation ba mambo ina nyo so metuba. Kana me réaliser yao. Je suis sûr que peuple que c'est pela place. Donc amé c'est pela déjà place à nikele. Le fait ya quoi? Mais le fait surtout à pour réaliser qui mamba ba promesse nyo so mepesa. Teme kwa que académie à la police que mona kilumbu na 2023 ya keke c'est mingi. Teme kuwa ke toke na teme signé contrat na armée américaine ya ke kiese mingi mais beto souci a beto réalisation ba mambo ina sa population kota na kiese nandi sa population ke na kudila tibubu bana continue kudila na ebandeli to telema ka samu na ba ina me kufwa na ba est bana continue kufwa ti man ti atiana tuba a banka ke na continue kufwa donc ya population ke na tuba mu me sepela que beto tout la population en toile non seulement na ba dire à beto mais surtout na bisalo à beto beto ba élu ne kuwa que ba réforme fo na salama ina yake ya ba loi mais ba réforme ngo na souci à munu ya tout la population en toile et ina ke pesa qui est venge mama na population beto nyoso ya RDC. Na mambo meta la finance na République démocratique ya Congo bapangelo zoro benfana zabati na kati ya masolo mambo kena kulutila na mutino mosi ya mbote kukotisa mbongo mingi na sanduku ya leta kele nsasa ya mbota Jules Alingeti ina kele inspecteur général ya finance na République démocratique ya Congo ina mesepela mingi na diskuri ya mfumu ya insi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mpe meta la inki mutindu kupesa banzila ya kulanda sambu na yandi bandinga ya mfumu ya insi metuba na ina meta la mambo ya mbongo ngoto finance ba kompani ina nyonso ya leta ke na kusala bisalu sala bisalu na mutino mosi ya mbote mbongo nyonso ina takota na kati ya sanduku ya leta sambu na kutala inki mutindu kupesa luzingu ya mbote na bakongole na mambo ya mavipi na mambo ya malongi ya bana kalasi na mambo ya bisalu pe na kati ba ya mambo ya nkakankaka nyonso ina kele sambu na kupesa kingolongolo na bisalu na République démocratique ya Congo Jules Alingete mekuta tubati na nyonso tavonda sambu na kupesa kikesa sambu Kongole zinga na mutinu mosi ya mbote mpe sanduku ya leta bisalo salama na mutinu mosi ya mbote Kibeni na Pullman Grand Hotel awa na bwala kimfumu Kinshasa me salama manaka ya nene ya kucha kumanisa malongi ya bilumbu Kibeni pesa maka samu na kuzaba inki mutindu kumuangisa nsangu na mutindu ya impa nouvelle technologie de l'information menufo na zabati baleke makumi zola mvimba bakaka yao na lutuadusu ya Huawei na kati ya masolovu wanaka bambuta luyalu bantumwa nkango tibaina nyonso ya nkaka ya kuisa kaka sangu na kumona inki mutindu wawe yidikaka malongi na pesama na mutindu mosi ya mbote mpe inki mutindu bisali angoke na kusalama na kati ya masolo munanaka mbuta kibasa maliba ketala mambo ya petentik na Congo Democratique mambo ya lo na lo yani mpe simbaka njetelo na kutuba beto lenda bikala na manima ve mpamba ve adime tonda mingi wawei malongi yai kele ina tapesa ngolo na kati ya baleke sambu beto mwangisa bantangu na mutindu ya impa tavanda mfunu ya ngolo Kibeni ba bebe zole na loja butukaka ya kukangama tala mutindu divumu tin tulu na bao kangamaka mambo pesa kampasi mingi na kuwa mambo yai fondation ya Denise Nyakeru Tshisekedi talaka mutindu kwena na nswalo nyoso na loja kubaka mama ina tibana zole samu na kuiza nswalo na bwala kimfumu
Kinshasa samu na kuza banki mutindo kusala dipaso na kliniki universitaire ya Kinshasa na mutindo mambo fana salama na yao penza mama Denise Nyakeru Tshisekedi katukaka na inzo nani ya ni mosi kuendaka samu na kuzaba inki mutindo kumona bao inki mutindo mambo ukena kusalama na kukuma kuna ani monakati bana ya izole ya bakento kele bana lenda kufwa mutindu inave kuidika bao kupasula bao sambo na kuvutula kukabisa bao tavonda mfunu ya ngolo sambo na mama Denise Tshisekedi yani metubati kukabisa bana ina kele bonso lubutuku ya mbala ya zole kusala ba mambo na mutindu ina tafonda mpiki kesa sambo nyoso salama na mutindu mosi ya mbote na kati ya kliniki universitaire de Kinshasa bame kusa mwona kese bisadi tiba ina nyoso ya nkaka mebula maboko Mayele ya Baminganga na République démocratique ya Congo na Bumvimba mpe na cliniques universitaires na Bufioti même Munisa inki mutindu balenda sala bisalo sambo na kunata Congo démocratique bwala na beto na ntwala ba mambo ya mutindu yai fona bikala na manima ve beto fona sala sambo na mambote ya beto mosi ntete ba kongole na manima ya kwenda na bandambo yankaka Na ile metala affaire sociale benfona zabati na katikati ya orphelina mingi kuna na ntsele vondaka kibeni bapangi ya fondation kinde sambu na kutala nki mutindu kusiamisa mpe kupesa lukumu luzingu na bana ina betolanda na micro ya Francine Kaulu na kele bonso ngeme sadisa bantu ina kele na mpasi nzambi kena kumona mambu yango Betumetuba mambu ina pamba vena kati ya Biblia mukanda ya nzambi mekusa sonama. Nsiona nzambi kebikisaka yandi kilumbu mwosi ve. Tala mutindu kilumbu ya mazono lumingu. Vondaka kilumbu ya mbote sambu na pangi na kumbu ya gisa ngani. Yandi kele mwosi ketala mambu ya kusajisa bansiona pe na kati ya ba ONG. Kuendaka na nswalu nyoso na kati ya fondasyon nandi kumbu ya kinde na kati ya kimpoko. Kuna na kati ya komini ya nsele sambu na kutala inki mutindu bansiona kena kuzingila. Na kukuma nandi vana bayi ambaka nina mutinu mosi ya mbote. Kiteso ya bana nkama ivo ya mvimba kevwandida na kati ya bansiona na kati ya orfelina mpebata laka inki mutindu kukabisa madia na ntima ya kese na ntima ya ntantu bonso kibuti yandi zabisaka bauti kilumbu mosi yandi tabikisa bauve menofona zabati na kati ya fondasyon kinde bana mingi ya nkaka kena kubwela mayele. Andi melomba na bau babwela mayele pamba ve bakele bilumbu ya mbasi kivuvu ya Republique démocratique ya Congo. Na nsuka ya nzietelo ina gisangani mezabisa bau na kutubati andi tabikala na manima ve tasosa inki mutindu kusadisa bau ntangu nyoso bamabanza bankadilu nyoso fana vanda ya mbote sambu na kutunga Congo démocratique bilumbu ya mbasi. Ya Notre Dame ya Fatima na komini ya Gombe na kilumbu ya mazono misa ya nene salamaka samu na kutala kupesa nzambi matondo na mutindu ya ntombama ya beto mpangi ntuadisi ya societe si ya maison civile na mfumu ya insi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo tiba pangi nandi ya Institut Ikolai Betolanda. Tangu yandi kena luzingu, kele ina beto kena kususa, samu na kusoba mabanza mpe bankadilu na beto bana ya Republique Demokratiki ya Kongo mpe lutondo na kati na beto. Beto metubavana, kele mbuta Dr. Bruno Miteu, ina kele ntwadisi na maison civile, mosi ya teritwari ya Ngandajika na katikati ya Kizunga ya Lomami, bame tombola yandi mpe nkisi salamaka ya Ngolo, sambo na bisika, bake na kubaka, sambo na kuzaba inki mutindu kusala bisalu na Kongo Demokratiki mingi na baina ya ntama. Ya collège Saint-Georges ya Ngandajika mutindu bake bokila yao bilumbu yai Institut Kolai na mutindu bamevukana na katikati ya Asbel Anacom benofana zabati misa ya nene sambila maka na kilumbu ya mazono na paroisse Notre Dame de Fatima na komini ya Gombe nyoso ina kele sambo na kupesa matondo na nzambi mpe kulomba bangrasia ya mutindu na mutindu sambo na bisalu mutindu kena kusalama benofana zabati bana ya ntama ya collège Kolai na kutala mbote bametombo Mboka. Kele mingi Dr. Bruno Miteu mpe ya beto mpangi mbuta Diedone Kaluba Dibwe ina kele ntwadisi ya ntete ya kuru ya kasasyon nyonso ina vwandilaka na maboko ya nzambi sambu na kupesa kingolongolo na bisalu pe nyonso monana na mutinu mosi ya mbote beto tondana beto na beto. Kele mfunu mingi. Benofona zabati na mbanza iziru ya ndivutukaka kubanda kilumbu ya mazono na mutindu ni salaka nzietelo na bwala kimfumu Kinshasa yandi Christophe Baseyani nanga gouverneur talaka mutindu kuyambama na mutindu ya mbote. Betolanda.
Zono nambanza isiro kuna na kizunga ya otuele kwa yandi katukwa kanabwala kimfumo Kinshasa na weka nandi vandaka bantu mingi. Betutuba bantu mwankangu ya kizunga tiba ina kesalana bilo nandi ya bisalu samu na kutala nki mutindu kuyamba yandi na mutindu mosi ya mbote benofona zabati yandi telamaka na ntona ba mwangisi ya bantangu na kutuba ba mambu mingi. Yandi ni katukwa kanabwala kimfumo Kinshasa mutindu babo kilaka yandi na mfumo ya isi Felix Antoine Tshisekedi Chilombo samu na kukota na masolo ya nene zibukaka kubanda bilumbu meluta. Christophe Baseyane Nanga, yandi metubati andi mezabisa, bampasi nyoso ya kizunga ya otuele nantwala ya mfumu ya isi, samu na kutala inki mutindu kukotisa ntsobolo mambu kwenda nantwala. Na mabanza ina, yandi mbuta Christophe Baseyane Nanga, metala mutindu ya mbote ya kuzabisa ti, na bilumbu kekuisa ba utatula gudron, sambu mituka ba matoma tambula na mutindu mosi ya mbote na iziro. Menofana zabati kele kompani ya ba chinois na kumbu ya sino hidro tasala bisalu yango, samu mambu tambula na mutindu mosi ya mbote. Na mutina mezieta kele kutombola kizunga. Nyoso ina, bantu vandaka na kati ya masolo, bakongole monaka kese, mpeza bisaka ti, ba utabikala na manima veta, simba bisalu nandi, Kongo demokratike kwenye nantuala. Na bwala kimfumu kincha saba pange luzolo benufona zabati batalaka mutindo kupesa dipolome mosi na mosi na baina bakaka malongi ya filozofi sambo na kupesa malongi ya nzambi to kutendula ndinga ya nzambi na ntola ya bantu na manima ya mvula tatu kibeni bame baka badipolome na kusala bisalu ya nzambi na mutindo mosi ya mbote na kalasi ya teoloji ya komunote presbiteriana ya bwala kimfumu kincha saba na mutindo vandilaka yandi mbuta Isaac Kalonji yandi tatala nki mutindo tubaka na tola ya batu pe kupesa badi polome ya mutindu na mutindu mpe kuzabisa ti kalasi yai kele ya mbala ya Ntete TV ke pesa kamalongi mbala na mbala na baina kesa la teoloji, filozofi sambu na kuzaba nki mutindu kutendula masonoma masantu na kati ya Biblia na kilumbu angovu andaka kitoko mingi sambu na bao na kusepela mvula ya mpampike na kubanda sambu na mbuta Isaac Kalonji animelo mbabao basa la bisalo na mutindu mosi ya mbote sambu na kupesa kikesa na malongi mpe na lukumu ya Nzambi mvangi ya Zulu tia ntoto baina bakaka dipolome mosi na mosi tondaka nzambi pepesaka matondo na mbuta Isaac samu na kivena kalasi ina sambu bisalu ya mvula ke kuiza kubanda na mutinu mosi ya mbote kibeni. Batata ba mama papange luzolo sangu na beto na kukila kilumbu ya bubu miku samani savana kanabeno memona kese matondo mingi na Luizon Mulongoi matondo mingi na Ginelo Konda vandaka na Nzira Masini matondo mingi na Grass Kingambo vandaka na manima kamera ya beto Emili Zola na manima ya Dekor beno zabati Henri Alimasi vandaka na son beto na beno takutana kilumbu ya mbazi beno bikala mbote. Fait de la gratuité de l'enseignement sur un peuple pauvre. Irréversible, irrévocable, la gratuité de l'enseignement demeurera contre vents et marées, comme le veut la Constitution. Aucune école publique ni conventionnée ne doit s'y opposer. Militons pour une nation d'élite où tout le monde a droit à l'éducation. Fini les frais de motivation. Vive la gratuité de l'enseignement. Message du parti politique, autre vision du Congo. Te papa tomonyo ena mwana oyo awa yebisa biso kombo na eza nini et puis ozwa ki ye wapi kombo na ngai ezali monsieur Ali Lubo Tambwe nazali assistant social ya division urbaine pour division urbaine des affaires sociales mwana oyo kombo ne Maxime Kepela Kepelu Tozo qui est à Bunga qui na commune à limiter la police azali entre la main de la police na 14e rue la police à 14e rue mouto à l'okota qui est à l'équine a passé toute la journée dans la police né la police a eko pesaye service social au Isaya limiter comme c'était le soir né placé qui est na ONG moko sur la première rue des places au Ngaï par rapport à mission Nanga de Nakena Koutaye qui est à Bungaki depuis le 27. Donc, Naye Naye Awa,
pour une large diffusion que mes parents aient ceux qui m'ont nié et na batu en zinga zinga wako monaie ne bakoko luka moyen nini bakoko ya récupérer mon tant bosso il na mwana est-ce que mwana a zoloba a pesibino convoi ba parents et papa maman soit adresse pour na pour retrouver ba parents nae. Oui, mon apesibiso comme ya papa na maman na ba bande konaie mais a bi adresse te mani quartier a habité. Papa combo na niro pesa mon na mbango. Apesi combo ya papa Muba. Combo ya maman ya Josephine. Bon bande konaie. Apesi combo ya bayane mi balé Mputu na Roger. Na le kinaie combo nae Christella. Bako ko contacter ondenge nini pona ba retrouver mwana. Ce qui va paraître que ba parents ba moni ba contacter ondenge. Ba parents bako ko contacter ngana numéro 0977 00 10. OK. Merci. OK, merci. Chers compatriotes, la corruption gangrène la société congolaise et entrave le développement de notre beau pays. Luttons et dénonçons la corruption sous toutes ses formes et à tous les niveaux, dans toutes les institutions du pays, dans la police, dans l'armée, dans l'administration publique et privée, à l'école, à l'université, au marché, à l'hôpital, au bureau et même dans nos familles. Bref, que chaque Congolaise, que chaque Congolais, où qu'il se trouve, quel que soit son rang, combatte et dénonce la corruption. Changeons maintenant. Changeons nos mentalités. Sous le haut patronage du président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous l'autorité du Premier ministre, chef du gouvernement, Son Excellence Sylvestre Ilunga Ilunkamba, le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, José Mpanda Kabangu, à travers son plan pour l'accompagnement et l'encadrement des mesures de prévention de la COVID-19 en RDC, après la levée de l'état d'urgence sanitaire, organise une campagne de sensibilisation de la population par les scientifiques sur le nouveau comportement alimentaire face à la COVID-19 et sur l'utilisation de la médecine traditionnelle et les plantes médicinales durant cette période de la pandémie. Congolaises et Congolais, le coronavirus circule encore dans notre pays. Pour éviter l'effet rebond qui s'observe dans d'autres pays, suivons tous les recommandations de Son Excellence Monsieur le Président de la République et du comité multisectoriel de la riposte contre COVID-19. Ensemble, faisons barrière contre la COVID-19. À tous, bonsoir, bienvenue à cette édition du journal sur la nationale. La tradition a été respectée aujourd'hui. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est adressé à la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, les discours sur l'état de la nation. Il a appelé la nation à contribuer à la réussite du mandat en exercice de la RDC à l'Union africaine. La feuille de route du prochain gouvernement issu de la nouvelle coalition engagera le pays au sein de l'Union sacrée pour la nation dans le travail pour le bien-être du peuple congolais, a déclaré le chef de l'État. Reportage Kibambe Somo Issa et Roger Dei. Chanson, cri de joie, l'ambiance s'est électrisée davantage à l'entrée du cortège présidentiel dans les installations du Palais du Peuple. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est venu répondre au rendez-vous annuel de son discours sur l'état de la nation.
honneurs militaires. Le chef de l'État a été ensuite salué par le président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale et celui du Sénat, avant d'être accueilli dans l'effervescence de la salle du Congrès remplie à majorité des députés et sénateurs, et où on a aussi noté la présence de la première dame de la RDC, Denise Nyakeru Tshisekedi, des ambassadeurs et chefs de corps diplomatiques et de plusieurs autres invités. Dans son adresse à la nation, le président de la République a d'entrée de jeu convié l'assistance à une minute de silence en mémoire de tous les Congolais qui ont perdu leur vie des suites de la crise sanitaire, de la pandémie de Covid-19 et de l'insécurité dans la partie est du pays. Le chef de l'État a ensuite rappelé son engagement d'entreprendre des réformes en RDC selon le leitmotiv « Le peuple d'abord ». Circonscrivant les grands moments de l'an 2020, le président de la République n'a pas manqué de souligner que cette année était déclarée celle de l'action vers les progrès et l'émergence du pays, des défis que l'on devrait relever après l'alternance politique par la coalition au pouvoir afin d'atteindre les attentes de la population. Hélas, malgré les efforts, les sacrifices et les humiliations tolérées, l'on n'a pas pu faire fonctionner la coalition FCC-CACH à cause des difficultés de tous ordres, a déploré le chef de l'État, soulignant qu'il fallait réagir et agir. C'est ainsi que le président de la République a lancé, le 23 octobre 2020, un appel aux compatriotes pour la mise sur pied d'une union sacrée de la nation sur des principes, des valeurs, des actions au service de la nation. Le président de la République a aussi rappelé qu'il a engagé des consultations avec des leaders sociopolitiques les plus représentatifs du pays en vue de recueillir leurs solutions de sortie de crise. Fort des conclusions de ces consultations, des convergences de vues recueillies, le président de la République, garant de la nation, a dit avoir décidé de rompre avec cette coalition, de nommer un informateur conformément à l'article 78, alinéa 2 de la Constitution, de procéder à la formation d'un gouvernement d'union sacrée de la nation qui travaillera en harmonie avec le chef de l'État et de mettre en œuvre des réformes issues des consultations dont la plupart sont les mêmes que celles voulues par le président de la République et contenues dans les programmes du gouvernement. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rendu un hommage aux députés et sénateurs, toutes tendances politiques, ayant participé activement aux consultations et qui se sont inscrits dans la dynamique de travailler dans l'intérêt du peuple dont ils sont les représentants. Pour le chef de l'État, la mission du nouveau bureau de l'Assemblée nationale sera de se pencher sur la revalorisation de la mission parlementaire tout en veillant sur un meilleur traitement des députés. Pour témoigner la reconnaissance de la patrie envers ses filles et fils qui ont agi dans l'intérêt du peuple, le président de la République a annoncé qu'en juin 2021, à marge de la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance, la patrie témoignera sa reconnaissance envers le Premier ministre Patrice Emery Lumumba, un des héros nationaux dont on aura procédé au rapatriement des reliques et à qui on donnera une sépulture digne de son sacrifice pour la patrie. Parlant de Covid-19, le président de la République, tout en rappelant les mesures qui avaient été prises pour arrêter la propagation de cette pandémie, a appelé les Congolaises et Congolais à la vigilance tous azimuts face à la remontée des cas. Il a invité la population à respecter toutes les mesures barrières édictées par les autorités sanitaires, notamment le port obligatoire des masques. Au nombre des défis à relever, le président de la République a cité ceux relatifs à la sécurité, à l'éducation nationale, à la desserte, à l'électricité et à l'eau potable, celui de l'environnement et celui de la diplomatie. Sous le leadership du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la RDC reprend sa place sur la scène politique internationale. Sous notre leadership, la République démocratique du Congo est en train de reprendre progressivement sa place dans le concert des nations. Le 9 février de cette année 2020, en marge de l'ouverture des travaux de la 33e session de l'Assemblée générale de l'Union africaine, j'ai été élu vice-président pour 2020 et président de cette organisation régionale en 2021.
devons contribuer chacun à la réussite de ce mandat qui offre à notre pays l'opportunité de faire progresser plusieurs réformes et projets au niveau continental, mais aussi d'améliorer son image et d'accroître son influence dans le concert des nations. Pour ce faire, une bonne prise en charge de nos ambassades et consulats s'impose dans le but de développer une diplomatie plus ambitieuse, en même temps qu'il est urgent d'apporter certaines réformes qui tiennent compte des contraintes du moment. Honorables députés et sénateurs, distingués invités, les faits saillants qui ont marqué l'année 2020 et dont les plus importants ont été ici épinglés, ont l'avantage de nous rappeler que personne ne peut seul gagner la bataille contre la COVID-19 et vaincre les différents défis auxquels nous faisons face. L'élaboration et la mise en œuvre de différentes réformes vont prendre, pour certaines, un peu plus de temps. Mais avec la détermination, nous finirons par y arriver. La feuille de route du prochain gouvernement qui sera issu de la nouvelle coalition nous engagera sans répit au sein de l'Union sacrée de la nation dans le travail qu'elle impose pour le bien du peuple congolais. Dès lors, travaillons tous ensemble dans la concorde, sans exclusion aucune, pour mettre fin à cette pandémie, pour mettre en place des systèmes de santé résilients, à même de protéger nos peuples à l'avenir et pour bâtir notre pays. Fortifions-nous, soyons fermes et montrons-nous courageux pour notre peuple, pour nos villes et pour notre nation. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Les discours du chef de l'État à la nation devant les deux chambres n'a pas laissé indifférent les députés et sénateurs qui ont réagi à chaud, saluant l'adresse du président de la République. Que la mobilisation d'aujourd'hui manifeste clairement l'adhésion de l'Alliance des démocrates pour l'émergence du Congo à l'Union sacrée de la nation. Aujourd'hui, l'ADPEC appuie le chef de l'État dans le cadre de l'Union sacrée de la nation. Pourquoi ? Parce que la DPEC prône l'émergence de la République démocratique du Congo, l'émergence du Congo veut dire le peuple d'abord. Comme le président de la République prône le peuple d'abord et nous avons l'émergence pour le Congo, aujourd'hui la DPEC a manifesté clairement au chef de l'État son soutien. Nous soutenons vivement le président de la République dans cette idée, dans cette vision de l'union sacrée de la nation. Et nous allons l'accompagner pour l'émergence du Congo et nous allons l'accompagner pour le bien-être de la population congolaise, et pour le changement dans ce pays et pour un état de droit. Quant à ce qui concerne le discours, le président de la République était clair, 2023 sera une année d'action parce que le chef de l'État a été bloqué de mener ses actions par la première raison, par le Covid-19, deux, par les problèmes survenus dans le cadre de la coalition FCC-CACH. Ouverture ce lundi à Kinshasa des travaux d'analyse d'outils d'évaluation éthique de recherche médicale. Ces travaux ont été organisés par le Comité national d'éthique de santé, nous dit Toto Céleste Songo. Le gouvernement de la République, en partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie, vient de mettre sur pied le programme Bibliomal, un programme qui consiste à doter différentes écoles des ouvrages littéraires, des films et vidéos pour promouvoir de la culture de la lecture parmi les élèves de leur jeune âge. Ce programme Bibliomal, caravane de lecture, met en rotation dans 80 établissements scolaires de la ville de Kinshasa, de mal contenant des livres
pour inculquer aux élèves la culture de la lecture. Dans son message aux élèves, la déléguée générale à la francophonie, Madame Nefertiti Tshibanda, a exhorté ses élèves sur l'importance de la lecture et a encouragé des échanges autour de la littérature. Nous avons eu à échanger avec eux sur l'importance de la lecture et on a même une jeune dame qui a réclamé beaucoup plus de livres congolais. Cette fois-ci, il y a plus d'ouvrages qui racontent des histoires qui leur sont beaucoup plus familiers puisque ce sont beaucoup d'auteurs africains ont été introduits. Donc nous avons aussi pris note de leur demande, de leur désidrata et nous allons continuer à travailler ensemble avec nos partenaires, l'OIF et la délégation Wallonie-Bruxelles, pour pouvoir mettre à disposition des écoles des livres et pour cela promouvoir la lecture, ce qui est une de nos missions principales dans le rayonnement de la francophonie en RDC. C'est au complexe scolaire Les Gazelles de Yolo, dans la commune de Kalamu, qu'a eu lieu la cérémonie des remises du lot et le lancement de la caravane. Madame Nefertiti Tshibanda a, au cours de cette même cérémonie, salué l'accompagnement logistique du centre Wallonie-Bruxelles pour la matérialisation du programme. La Fédération pour la paix universelle RDC a procédé à la remise des diplômes au pasteur Kati Monga pour ses efforts en faveur de la paix. Question pour cet organe d'encourager les Congolais à la culture de la paix, nous dit Alain Bikay. C'est pour analyser des outils actuellement utilisés à l'évaluation éthique humaine de la recherche médicale en vue démocratique du Congo que s'organisent ces assises qui réunissent les membres du Comité national d'éthique de la santé, les membres du comité institutionnel ainsi que des investigateurs des essais cliniques. Si un chercheur veut entreprendre une étude médicale dans notre pays, il demande l'approbation du Comité national d'éthique de la santé. Nous avons utilisé depuis plus de 10 ans des lignes directrices. Nous utilisons aussi ce qu'on appelle des procédures opérationnelles de soumission des protocoles et nous évaluons aussi, et nous tenons compte aussi plutôt, de nos propres procédures pour donner un avis favorable. C'est l'ensemble de tous ces éléments-là qui constituent les outils d'analyse que nous sommes en train d'examiner aujourd'hui pour montrer leurs forces et leurs faiblesses. Les exposés sur la procédure opérationnelle relative à la soumission des protocoles de recherche, des partages d'expériences au niveau local et international des comités d'éthique, le passage en revue des lignes directrices de l'Organisation mondiale de la santé et la réglementation de la République démocratique du Congo en matière d'évaluation éthique de la recherche appliquée sur les humains, ainsi que le rôle de la pharmacovigilance. Voilà, entre autres, les matières qui vont occuper les participants pendant les 4 jours que va durer ce séminaire qui se tient à l'Institut national pilote d'enseignement des sciences de santé, INPSS. Vous venez là de suivre l'ouverture de travaux d'analyse d'outils d'évaluation d'éthique de recherche médicale. La Fédération pour la paix universelle RDC a procédé à la remise de diplômes au pasteur Kati Monga pour ses efforts en faveur de la paix. Question pour cet organe d'encourager les Congolais à la culture de la paix, nous dit Alain Bikay. Créé en 2005 par les révérends Moon et Dr Jack Atmoon, la Fédération pour la paix universelle a totalisé 15 ans d'existence. Pour célébrer cet anniversaire et vulgariser les missions de cet organisme consultatif auprès de l'ONU en République démocratique du Congo, plusieurs manifestations sont organisées par la FPI RDC. Plusieurs manifestations sont organisées par la FPI RDC pour sensibiliser les Congolais sur la culture de la paix, la prospérité mutuelle basée sur les valeurs universelles partagées. Le Conseil national pour la paix, organe de la Fédération universelle pour la paix, a décerné les diplômes de la paix au pasteur Monga Kati Kati pour ses efforts en faveur de la paix, ce qui fait de lui l'ambassadrice de la paix universelle. Pour la paix, nous avons voulu faire d'une pierre plusieurs coups, célébrer cet anniversaire de la FPI, en même temps participer au grand rallye qui a eu lieu récemment au niveau des États-Unis d'Amérique avec la fondatrice, Madame Agda Ann Moon, et venir ici encourager aussi les personnalités congolaises qui se sont engagées et qui s'inscrivent au fait dans cette dynamique de la recherche de la paix pour notre nation. Comme vous le savez, nous avons beaucoup de problèmes dans la nation.
Donc aujourd'hui, nous devons multiplier des personnes qui doivent cultiver cette culture de la paix afin que nous l'amenions là où elle est quasi inexistante. Les fidèles de cette église ont été invités à briser les barrières partisanes, raciales pour un monde unifié. Un tour dans les provinces, dans le Haut-Katanga, le gouverneur a procédé au lancement officiel le mercredi dernier à partir du village agricole de Moinseni, la campagne agricole 2020-2021. Plus de 5400 hectares de terre ont été embravés pour cette année culturelle au village agricole de Moinseni, soit le quintuple des terres cultivées l'an passé. Cela prouve à suffisance que le message numéro 1 du Haut-Katanga est accepté par ses administrés et c'est à partir de ce village agricole que le chef de l'exécutif provincial, Jacques Yamalakato, accompagné des députés provinciaux de Kipushi et du grand chef Kapunda, a lancé la campagne agricole dans les villages du Haut-Katanga. Profitant de l'occasion, le patron de l'exécutif provincial a procédé à la sensibilisation de la population haut-katangaise et du village, en particulier de s'adonner aussi aux travaux champêtres au lieu de laisser cette activité aux autres personnes venant de Lubumbashi. Un ventre vide ne contribue au développement mental. Nous avons plus réhabilité les routes, c'est justement pour faciliter l'évacuation de certains denrées alimentaires. Il n'est pas normal de continuer à dépendre de l'extérieur. Dieu ne fait pas le travail à leur place, ce sont des humains comme nous. Cela doit nous interpeller à plus travailler et à fructifier ces villages agricoles. La province du Haut-Katanga est en mesure de produire des milliers de tonnes de maïs et exporter une autre quantité, a conclu le gouverneur Jacques Yamalakato. Le grand chef Kapunda a loué l'initiative du gouvernement Kabula qui milite pour mettre un terme à la faim dans la province et pour permettre la mobilité des moniteurs agricoles qui ont la charge d'encadrer les agriculteurs. 50 motos ont été remises au ministre provincial de l'agriculture Arsène-Joseph Kayumba. La détermination du gouvernement se fait sentir sur le marché par le prix de la farine qui n'a pas connu de hausse exagérée. Après son long séjour à Kinshasa, le gouverneur du Haut-Ouélé, Christophe Basséa-Nenanga, a regagné Issirou hier après avoir pris part aux consultations initiées par le chef de l'État. À son arrivée, il a rassuré les ingénieurs de l'entreprise Sino Hydro qui l'accompagnait pour l'étude du terrain avant le lancement de l'asphaltage de la ville. Descente d'agent, le gouverneur du Haut-Ouélé est reçu par son adjoint ainsi que le membre du comité provincial de sécurité. Juste après, l'autorité provinciale reçoit les honneurs de force de défense et de sécurité avant de rencontrer ses collaborateurs massés de l'autre côté de la piste. À la tête de cette énorme délégation, Christophe Basséa-Nenanga, qui a pris part aux consultations initiées par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, ramène avec lui des ingénieurs de l'entreprise Sino Hydro pour les derniers réglages avant de lancer l'asphaltage de la voirie urbaine d'Iziro. Avec moi, dommage et vissière, plusieurs investisseurs. L'entreprise Sino Hydro qui vient expressement pour finalement concrétiser le problème de l'asphalte. Au sujet des obsèques de son prédécesseur Jean-Pierre Lelaki, son gars le numéro 1 de la province rassure que son gouvernement, qui est de plein pied, n'attend que le go de sa famille biologique pour accélérer la machine. Moi, je vous parle, je suis en contact étroit avec le chef de l'État pour que le jour où la famille va dire que non, nous voulons telle chose, c'est ce jour-là que nous allons nous exécuter aussi. Ces cortèges qui quittent l'aéroport d'Iziro Matari fait escale ici au chantier de la prison centrale où le chef de l'exécutif provincial évalue les travaux. À l'image de ces deux bâtiments en érection, les chantiers des salles polyvalentes et des plénières de l'Assemblée provinciale, la résidence du gouverneur ainsi que le gouvernorat sont en parfaite évolution. L'ambition pour le gouverneur est de faire du Haut-Ouélé les centres névralgiques du développement de la sous-région grâce à cette zone franche en développement ici à auréolé par cet aérodrome à chantier, disposant du plus grand réservoir d'engins de génie civil du pays, à qui se font propre que sauf Basséa-Nenanga n'attend pas beauté en touche son obsession pour le désenclavement complet de son entité, conformément à la vision du chef de l'État qui prône le développement du pays à travers deux provinces. Enseignement, dans la province du Kouloul, le gouverneur a assisté à l'ouverture et à la clôture de l'année académique édition 2020-2021 à l'Institut supérieur de développement rural d'Embeo. Suivez. À l'occasion de la double cérémonie de l'ouverture de l'année académique 2020-2021 et la clôture de l'année académique 2019-2020, le professeur Abbé David Noumaniat, directeur général de l'Institut supérieur de développement rural, Isidère Mbeo en sigle,
le professeur Abbé David Nomagnat, directeur général de l'Institut supérieur de développement rural Isidère Mbeo en sigle, a présidé cette double cérémonie en présence du chef de secteur de Bouloem, du bourgmestre de Kalo et des chefs de groupement. La cérémonie s'est déroulée dans le strict respect des mesures barrières prônées par le président de la République. Port des masques observés. 54 finalistes, dont 30 en graduat, 24 en licence, ont obtenu des mains du directeur général leur diplôme. Et je voudrais inviter tout le monde à rester vigilant. Vous savez qu'au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire, et au niveau de l'ISMBO en particulier, la matière devra être mise à la disposition de nos chers étudiants et rester gênée. L'Isidère Mbeo organise les filières développement rural, technique rurale, santé communautaire, organisation sociale, gestion des entreprises de développement rural, l'environnement et le développement durable et l'administration rurale. Dans son allocution, le directeur général a salué la Radio-Télévision nationale congolaise pour l'accompagnement dans la diffusion et la sensibilisation des activités de l'Isidère Mbeo. Le directeur général de l'Institut supérieur de développement rural, Isidère Mbeo, a rappelé les objectifs poursuivis par son institution, notamment doter le pays des cadres supérieurs valides sur les plans intellectuels, humains et moraux et contribuer au développement du pays par la recherche scientifique. Le directeur général de l'Isidère Mbeo, le professeur Abbé David Nomagnat, a invité les étudiants, cadres et toute la population de la contrée au strict respect des gestes barrières tels que recommandés par le chef de l'État. Il a également remercié le partenaire de l'Isidère Mbeo. Même exercice dans le Haut-Lomami où il y a eu l'ouverture de l'année académique à l'ISP Kamina. Pour l'année académique 2020-2021 à l'Institut supérieur pédagogique de Kamina, selon les instructions du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, en ce 14 décembre 2020, l'événement a vécu. Tous les membres du comité de gestion se sont attelés pour répondre présent à cet événement sans précédent, disant les invités. Fidèle à sa tradition, le directeur général de l'ISP Kamina, le professeur Fine Yumba Moussouya Banza, a exhorté ses compères à la culture de l'amour et un travail bien fait. Levé du soleil, au coucher du soleil, arbres et feuilles frémissent, et au lever du soleil, insectes et plantes chantent la rue de la lumière. Hier, c'était les arbres du confinement. Aujourd'hui, le rire mérite de clamer. Voilà pourquoi je demande à chacun de serrer la main à son voisin en lui disant c'est avec Dieu que tout est possible. Il me serait un péché de ne pas vous demander pardon. Tant désagréable posé contre tel ou tel autre agent. Mesdames et messieurs, au nom du ministre des Vivelles, je déclare ouverte l'année académique 2020-2021. Merci. À l'ISP Kamina, les enseignements commencent dès ce 15 décembre, comme le prévoit le calendrier académique. Pour rappel, cette cérémonie s'est déroulée dans l'ambiance et l'harmonie professionnelle. La province de Maïndombe n'est pas en reste. Elle a procédé à la collation des grades et clôture de l'année académique à Inongo. 180 lauréats à qui on a conféré les grades académiques et ont obtenu leur diplôme à la proclamation des résultats à la première session à l'Université de Kikwit, province du Kwilu, pour les deux cycles, licence et graduat, suivant les différentes facultés, 116 réussites, dont 5 distinctions sur un total de 121 inscrits en médecine. 42 proclamés sur 102 effectifs en sciences économiques de gestion, 16 lauréats sur un total de 82 étudiants en géographie et 6 réussites seulement sur un effectif de 115 étudiants à la faculté de l'agronomie.
Cette cérémonie de collation des grades académiques organisée en présence de plusieurs autorités et autres invités a marqué aussi la clôture de l'année académique 2019-2020. Le professeur Maceus Young Damoussam, recteur de l'Université de Kikwit, a capitalisé la circonstance pour saluer les efforts de tous qui ont conduit à la réussite de cette année académique et a exhorté la communauté estudiantine de se tenir main dans la main dans la direction commune afin de relever les défis qui les attendent. Malgré les multiples ambitions et obstacles, nous nous sommes déterminés de continuer nos divers chantiers en cours sur le plan académique. Notre effort est surtout axé sur la formation des spécialistes capables de limiter notre dépendance auprès de l'Université de Kinshasa en tant que professeurs. Comme déjà, nous sommes heureux de vous annoncer le recrutement de 5 docteurs dont nous attendons la nomination. Dans un autre cadre, à Inongo, province de Maïntombe, 30 lauréats, dont 11 licenciés et 19 gradués, sont sortis de l'université CEPROMAD à la proclamation des résultats de la première session. Ils ont reçu leurs grades et diplômes à l'issue de la cérémonie officielle organisée en présence du gouverneur de la province de Maïndombe, représenté par son envoyé, M. Ipondo. Sans oublier d'autres personnalités politico-administratives et toute la communauté universitaire. Pour le directeur général de cet établissement d'enseignement universitaire, le CEPROMAD, Monsengo Povampori, cette université qui est à sa troisième promotion, ne cesse d'apporter la pierre de construction à cet édifice de la société congolaise en général et dans la province de Maïndombe en particulier avec la formation de l'élite dont le pays a besoin. Il a félicité les lauréats et les corps enseignants pour les sacrifices et efforts de réussite consentis ensemble. Les récentes réalisations observées sur le plan politique rassurent la volonté politique du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo des avancées meilleures. Le directeur exécutif de la Haute Académie de la Société Civile Congolaise le confirme dans ses reportages de Lixon Kabbalah. L'Académie de la Société Civile Congolaise suit de très près l'évolution de la situation politique en République démocratique du Congo. La Haute Académie de la Société Civile fait suite à son communiqué du 6 décembre 2020 en rapport avec la situation politique en RDC. Considérant que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a prononcé un discours le 6 décembre 2020 à la suite des consultations politiques tenues au mois de novembre de cette année. Considérant que dans son discours, le président de la RDC a annoncé la fin de la coalition FCC-CACH. Au vu des tensions actuellement observées entre les partisans de deux camps, le Front commun pour le Congo et l'Union sacrée pour la nation, susceptibles de provoquer des scènes de heurts et de violences. Considérant les résolutions de la réunion de la société civile du 4 décembre 2020 à Kinshasa, tenue sous l'égide de la Haute Académie de la Société Civile, à l'issue de laquelle les acteurs de la société civile se sont engagés à accompagner et à encadrer de manière permanente le processus politique en cours en RDC en vue de son bon parachèvement. La Haute Académie de la Société Civile félicite toutes les parties prenantes, acteurs politiques et sociaux, pour l'attitude républicaine adoptée après le discours du chef de l'État du 6 décembre 2020 et s'est dit satisfaite du calme relatif qui a prévalu par la suite. Elle les appelle à continuer à œuvrer pour la préservation d'un climat de paix nécessaire pour le bon fonctionnement du pays et des institutions. Salue aussi la maturité politique avérée du peuple congolais et l'encourage à rejeter les appels à la violence et aux troubles. Belle génération Tshisekedi NGT Goma a entamé depuis dimanche 13 décembre au Nord Kivu la campagne de vulgarisation de fondement de l'Union sacrée pour la nation initiée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce mouvement associatif est coordonné au niveau national par Junior Mata. NGT Viva! Viva! Toujours derrière le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, la nouvelle génération Tshisekedi NGT Goma, dans la province du Nord Kivu, ne ménage aucun effort pour vulgariser la vision du chef de l'État dans la mise en place de l'Union sacrée pour la nation congolaise. Des prime abord, la population a eu droit à une caravane motorisée dans les différentes artères de la ville de Goma, où les drapeaux de cette structure qui soutient le chef de l'État ont flotté dans une ville acquise à cette cause.
Juste après, plus d'un millier de personnes ont afflué la salle polyvalente Movito, qui a même refusé du monde. Déterminés, les jeunes et vieux n'ont pas hésité à s'approprier cette initiative du garant de la nation. Le coordonnateur provincial Benjamin Bissimoi a d'abord remercié l'assistance avant d'expliquer le bien fondé de cette démarche. Mettez-vous debout, le travail vient de commencer. C'est en ces termes que le chef de l'État s'est adressé à la population quand il a créé l'Union sacrée pour la nation congolaise. Nous devons avoir une seule vision pour soutenir le chef de l'État, car il veut le bien-être de tous les peuples congolais en créant l'Union sacrée pour la nation. Il y a ceux qui disent que le président va échouer. Cela n'est pas patriotique. Nous, au niveau de la nouvelle génération Tshisekedi, nous soutenons les actions du chef de l'État. Pour rappel, la nouvelle génération Tshisekedi n'est pas née avec le nouvel chef de l'État, mais c'est avant tout l'œuvre du patriarche Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire. Vous devez aussi savoir qu'en hommage Junior Mata, comme vice-ministre, le chef de l'État a honoré la jeunesse. Signalons que ce mouvement associatif est coordonné au niveau national par Junior Mata Melanga. Il est implanté dans tous les coins et recoins de la République démocratique du Congo. Le député provincial et haut cadre de l'UDPS, Peter Kazadi, était face au public kinois dans un meeting populaire dit de vérité à la Fikine. Il était question pour maître Peter Kazadi de fixer l'opinion sur le contour qui ont conduit le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à mettre fin à la coalition FCC-CACH. La mobilisation était totale à la foire internationale de Kinshasa le dimanche 13 décembre dernier. Les Kinoises et Kinois ont répondu massivement au rendez-vous dit de vérité initié par les disciples politiques des faits, Dr. Étienne Tshisekedi, Peter Kazadi Kankonde. Ce rassemblement de vérité a permis à l'élu de la commune de Lemba de fixer l'opinion sur les contours qui ont conduit les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de mettre fin à la coalition FCC-CACH. Dans sa double casquette de membre du comité de suivi de l'accord, qu'il y ait CACH, FCC et membre de l'équipe qui a couvert les audiences du président de la République pendant les consultations nationales, a révélé à l'assistance certains points significatifs de la mauvaise foi et manque de sincérité de leurs anciens partenaires politiques. Le refus du premier ministre de contresigner l'ordonnance nommant les commandants de la garde républicaine pendant des semaines et le blocage de plusieurs projets à impact visible pour la population en sont une parfaite illustration selon Peter Kazadi. C'était aussi l'occasion pour ses collaborateurs de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de saluer l'acte de bravoure des députés nationaux qui ont bravé la peur en répondant à l'appel du président de la République pour l'Union sacrée de la nation. Selon lui, la pétition qui était à la base de la déchéance du bureau Mabunda à l'Assemblée nationale a été initiée par les députés du FCC et non du CACH, ce qui prouve que les Congolais sont en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire de la République démocratique du Congo, a-t-il ajouté. Il a bouclé son mot par l'appel à l'unité nationale et à la mobilisation générale pour barrer la route aux pêcheurs à nos troubles. J'ai les drépanocytaires contre le coronavirus, c'est la mission que s'est donné les réseaux Drépano SS à travers la campagne de sensibilisation. Protégeons-nous, protégeons les drépanocytaires. Cette caravane a atteint l'étape de l'hôpital de référence Roi Baudouin de Massina, nous dit Rodé Panda. Après Barungu et Kisenso, la campagne initiée par le docteur Ange Ngonde, coordonnateur du réseau Drépano SS pour la sensibilisation des drépanocytaires ou personnes souffrant de l'anémie SS sur comment se protéger contre la pandémie de coronavirus se poursuit normalement. À cette troisième étape, c'est l'hôpital de référence Roi Baudouin de Massina qui a été choisi par une approche pédagogique
comment éviter le COVID-19 en appliquant les gestes barrières et autres mesures préventives ont été données à cette catégorie de personnes vulnérables autour du thème principal « Protégeons-nous, protégeons les drépanocytaires ». Les cardinals émérites Monsengo Pasignan et André Bokundoa, représentants légaux de l'Église du Christ au Congo, partenaires dans cette action de sauver les drépanocytaires, ont été valablement représentés. La sœur Nathalie Kassangi, envoyée de la CENCO, et le professeur Aliango Maracho Dédé étaient là pour les comptes de l'ECC. Nous sommes là à Massina dans une manifestation que le réseau Drépano a organisé avec les enfants et les familles qui ont des personnes drépanocytaires pour les sensibiliser sur la COVID-19. La COVID-19 existe, la COVID-19 peut être vraiment néfaste pour cette catégorie de personnes, c'est-à-dire nos frères et sœurs qui souffrent de la drépanocytose, et qu'il fallait vraiment appliquer les mesures barrières. Cela permettra à ce que nos frères et sœurs ne tombent pas en plus de ceux qu'ils ont malades encore de COVID, ce qui serait vraiment très néfaste pour eux. Un don de quelques kits sanitaires et autres vivres et non-vivres ont été distribués aux pensionnaires de cet hôpital. Madame, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention accordée. L'actualité continue sous l'RTNT. 20h, Guy Matundu sera sur ce même plateau pour vous informer. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir. Performance des employés, ces mesures avec Ha 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 ha